Tant que Frozy de faire, puis je peux faire un arrêt là pour un contact, mais si on a un peu de refroid, tu vas aller faire de feu. Juste un peu de rappel, le 16 septembre, on va y dans le programme, on va y aller dans le détail, on va y aller dans les points, on va y aller dans le détail, on va y aller dans le lust auf moi, en détail, décliner, en définir. Oui. Lost Op Moi, c'est notre slogan, ce qui veut dire que nous avons envie de l'avenir, envie de demain, et nous voulons partager cette envie avec les citoyens qui habitent Luxembourg. Bah, la communauté portugaise est extrêmement importante au Luxembourg, mais elle était de toute façon depuis toujours, parce qu'on avait toujours besoin de la force de travail des Portugais, des citoyens portugais au Luxembourg. Mais là, actuellement, moi, je ne veux pas seulement leur force de travail, je veux vraiment les faire intégrer dans le processus décisionnel du pays et les inviter à participer dans la politique luxembourgeoise. C'est pour ça que j'aimerais ouvrir le droit de vote aux citoyens étrangers au Luxembourg. La présence de citoyens portugais sur nos listes électorales reflète tout simplement la population luxembourgeoise. Donc pour nous, la communauté portugaise est une partie intégrante du Luxembourg, donc il faut quand même que ça se voie également sur les listes électorales. Et donc nous sommes très contents d'avoir une jeune portugaise qui nous soutient aux listes électorales. Nous allons bien entendu attendre le verdict de l'électeur. C'est l'électeur qui va décider s'il y aura un nouveau départ pour Luxembourg ou si on veut continuer avec le même CSV ou le même Premier ministre. Mais c'est à l'électeur de décider. En tant que démocrate, nous allons accepter, bien entendu, le vote de la population luxembourgeoise. Et en fonction, nous allons décider ce qui se passera par après. Disons, c'est une sensation forte de la tête de liste de mon parti. De l'autre côté, c'est une responsabilité énorme pour mener son parti dans une élection, d'autant plus qu'on se trouve vraiment dans une situation un peu spéciale par rapport aux élections normales. Donc il y a une certaine pression, il y a une grande responsabilité, mais je suis extrêmement motivé à affronter les autres partis, à affronter ce débat politique qui aura lieu dans les semaines et les mois à venir. En fait, nous avons envie de l'avenir, nous ne faisons pas peur aux gens qui habitent Luxembourg de l'avenir. Nous voulons les motiver à participer à la discussion sur l'avenir du Luxembourg. Nous pensons que le Luxembourg a un très bel avenir devant soi. Et pour gérer cet avenir, pour le planifier, nous aimerions faire participer également la communauté étrangère luxembourgeoise dans ce processus décisionnel, c'est-à-dire que nous avons l'intention d'ouvrir le droit de vote aux étrangers qui habitent au Luxembourg. Parce que nous pensons tout simplement que ce serait une hérésie, que ce serait un gâchis énorme ne pas impliquer tous ces étrangers qui travaillent au Luxembourg, qui habitent au Luxembourg, dans le processus décisionnel du pays.